La paix soit avec vous tous. Amani iwe na nyinyi wote. La paix à nos téléspectateurs qui nous suivent en direct. Amani kwa wale watatufuata katika television na hata katika internet. Et ceux qui nous suivront par la suite. Na wale watatufuata baadaye. Ce matin, je vais vous révéler ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Asubuhi leo tutafunulia yenye nilipokea kutoka upindi wa Bwana. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles wapendo, tunachukua Biblia zetu, et nous les ouvrons dans l'Évangile selon Luc. Na tunafungua mu Injili kufuatana na Luka. Chapitre 13. Sura yake ya 13. Nous allons lire du premier au cinquième verset. Tutasoma mstari mdogo wa kwanza paka wa tano. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Amen. Si tu es venu ce matin, comme le quoi subi à Léo, c'est aussi pour écouter le roi. Écouter sa parole. Fais tout pour ne pas perdre un seul mot de la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur Jésus parle, vous venez de l'entendre. Comme d'habitude, les hommes venaient auprès de lui. Il parlait librement avec les hommes. Jésus n'était pas un chef dont les hommes craignaient et fuyaient loin de lui. Il était un père. Un père pour les pauvres, les misérables, les plus démunis. Il était un père pour les riches. Il était un père même pour les pharisiens. Il était un père de tous. Et voilà que les hommes se sont approchés. Ils ont commencé à raconter une histoire à Jésus. De ce qui s'est passé dans leur monde. Mais je ne sais pas s'ils ne savaient pas. Il était Dieu et un Dieu qui sait tout. Ils ont dit, bah, Seigneur, écoute, il s'est passé quelque chose. Pilate a tué les gens et a mélangé leur sang à ses sacrifices. C'était une chose qui avait choqué le monde à l'époque. On prend les gens, on les tue. Et on mélange leur sang au sacrifice. Je sais que les hommes attendaient la réponse de Christ. Ils attendaient que le Seigneur leur dise, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi un événement comme ça? Quel en est le sort? Et le Seigneur a répondu. Cette réponse, c'est ça la révélation que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur répond et dit, croyez-vous que ces Galiléens-là étaient pires, étaient méchants plus que tous les autres Galiléens? Alléluia. Amen. Croyez-vous que les gens, ces Galiléens-là, ont mérité pour qu'ils souffrent de la sorte? Le Seigneur dit, et vous, si vous ne vous repentez, vous périrez aussi. Et le Seigneur leur ajoute lui-même pour leur faire voir qu'il savait tout. Et réellement, lorsqu'il était sur terre, Jésus connaissait tout. Alléluia. Amen. Et même alors, les 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, croyez-vous qu'ils étaient plus méchants que tous les restes des hommes? Et vous, si vous ne vous repentez, vous périrez aussi. Voyez mes bien-aimés la profondeur.
de cette parole du Seigneur. Les hommes dans leurs habitudes, ils aiment voir les autres juger les autres, voir les événements dans la vie des autres, mais ils ne se regardent pas eux-mêmes. C'est bien beau de connaître tous les événements. Peut-être les faiblesses, les fautes des autres, c'est bon. C'est bien beau d'en parler. Mais écoutez ce que dit le roi. Le Seigneur a voulu enseigner, et ce matin encore, il nous enseigne à nous tous. De tout ce que nous connaissons, mais il y a une chose que dont Dieu veut. Dieu veut que nous puissions nous regarder aussi. Alléluia. Amen. Écoute maintenant le message que le Seigneur a sorti ces jours-là. Mais bien aimé, on a beaucoup d'histoires que nous connaissons. On a tué les gens telle part. On a causé de l'injustice telle part. On a fait telle ou telle chose à tel autre. On a détruit. On a fait. Le Seigneur a fait savoir. Hein? Et la vie de l'autre, ce n'est pas ta vie. Chacun a sa propre vie dont il doit gérer seul. Gloire au Seigneur. Amen. Pendant que les gens racontaient leur savoir, le Seigneur a dit, et vous, si vous ne vous repentez, vous périrez aussi. C'est bien de dire qu'ils ont péri. Mais ne pensez pas qu'ils ont péri parce qu'ils ont mérité. Bien aimé, lorsque nous voyons les événements dans ce monde, je disais quand il y a eu le tremblement de terre en Syrie et en Turquie, moi je me disais, il y a même des gens très bons et peut-être même des chrétiens véritables. Ils sont décédés dans ces tremblements de terre. Cependant, il y a un méchant qui vit encore. C'est la vérité. Mais pendant ce temps-là, un méchant se réjouit même. Et même dans la ville où nous sommes, si vous allez à la morgue, vous pouvez trouver qu'il y a les hommes bons qui sont là et ils sont partis. Mais un méchant est encore là. Si vous allez en prison, mes frères, vous trouverez qu'il y a des hommes justes incarcérés dans la prison, tandis qu'un méchant continue même à pratiquer sa méchanceté. Quel message le Seigneur voulait enseigner aux hommes et à l'humanité. Lorsque tu vis, Dieu t'accorde encore la grâce de vivre. Même si tu n'as que 30 minutes de vivre, regarde-toi. Gloire au Seigneur. Amen. Regarde-toi. Maintenant, le message que le Seigneur m'a donné. Le thème. Nous l'avons intitulé comme ceci. Répentons-nous sincèrement. Car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Alléluia. Amen. Je répète. Répentons-nous sincèrement. J'ai souligné le mot sincèrement. Car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Ce qui veut dire que l'enlèvement n'est pas loin de nous. Il y a ce que j'appelle le pré-enlèvement. C'est la mort. Personne ne connaît. Et dans quel jour ou dans quelles conditions il pourra quitter la terre. Vous voyez les Galiléens qui ont péri là. Christ lui-même les témoigne, il dit, vous croyez qu'ils étaient méchants? Non.
La tour de Siloé est allée tomber sur ces hommes. Jésus, vous croyez qu'ils étaient plus méchants que les autres? Non. Et le Seigneur dit une chose. Répentez-vous. C'est que je sais, dans mon expérience du ministère sur la terre des vivants, le message le plus puissant, c'est le message de la repentance. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Écoutez-moi. C'est qu'il est né. La première venue de Jésus, je l'avais déjà dit. Avant que Christ ne vienne, avant qu'il ne commence son œuvre sur la terre, il a envoyé son précurseur. Son précurseur était Jean-Baptiste. Il n'est pas venu avec la prophétie, avec la démonstration de puissance. Jean-Baptiste n'est pas venu avec des miracles extraordinaires. Jean-Baptiste est venu avec un seul message. C'est ce que Dieu a mis dans sa bouche. Jean va parler, va déclarer. Et le message de Jean-Baptiste était en un mot simple. Répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Je ne suis qu'un messager. Je vous annonce l'événement qui vient derrière moi. Derrière moi, il y a le Messie. Il y a le Sauveur. Il est en train de venir. Maintenant, écoutez, que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne, toute colline soit abaissée. La vallée, c'est un trou, hein, devait être comblé. Et la montagne, la colline, devait être aplanie. Pourquoi? Pour que le roi qui venait vienne passer sur un chemin bien aplani, bien nivelé. Et c'est le roi Jésus-Christ. Vous comprenez ce message? La première venue de Jésus a été annoncée par un message dans lequel le Seigneur, le Dieu des cieux, voulait que les hommes puissent arranger leur vie. Parce que lui qui venait, il ne pouvait pas venir descendre dans les vallées, monter les collines. Son précurseur, Jean-Baptiste, a annoncé ce message. Les hommes ont cru. Même certains chefs ont cru. Ils n'ont rien vu comme miracle, comme guérison. Ils n'avaient pas encore vu la guérison de Jésus. C'était juste une parole. Et ils venaient en foule. S'il y a des hommes qui veulent croire, là, ils ont d'abord besoin de voir ceci ou cela. C'est eux-mêmes. Mais du temps de Jean-Baptiste, les hommes ont entendu juste la parole. Et ils ont cru. Alléluia. Amen. Voyez. Et moi, je vous avais déjà dit, je le répète, c'est le message le plus puissant. Pourquoi? Parce que regardez Jean-Baptiste. Frère, il n'a pas fait des démonstrations. Hein. Non? Peut-être quelqu'un est là. Il dit, quelqu'un tombe. Non? Il n'a même pas prophétisé. Il dit que toi là, ton père c'est tel, ta mère c'est tel, ton nom c'est celui-ci, c'est celui-ci. Parle, alléluia. Quelqu'un est troublé. Lui, c'était juste, répands-toi. Dans les repends-toi, il y a une grande puissance de Dieu, plus que toute autre puissance. C'est quelle puissance? C'est la puissance de la conversion. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare. Frère, Jésus vient. Regarde, il est venu lui-même. Il pose la question aux hommes. Êtes-vous allé voir dans le désert? Vous êtes allé voir un homme qui porte des habits somptueux? Êtes-vous allé voir?
Un homme célèbre. Mutu manyana julikana. Mais quand vous regardez. Wakati munatazama. À l'homme en qui Dieu a mis le message puissant. Mutu ndani yake Mungu alitia uwezo. La Bible dit. Biblia nasema. Il n'avait pas de costume. Asukwe na nkochi. Pour que quelqu'un dise voilà. Il a une griffe. Eko na ile nkochi. Voilà il est ceci. Eko iki. Il n'avait que le vêtement, la peau. Le chameau, c'est ce qu'il portait. Une ceinture de cuir. Sans nourriture. Bila chakula. Un régime. Asmele chakula. Et quel régime? Na ile nam na kanyakula. Il ne mangeait que le miel et les sauterelles. Aranja kunya tuni asari na wale wa sosomani. Jean-Baptiste n'a pas mangé les beefsteaks et yo, tout. Asikule nyama. Et cetera. Apana. Et sa demeure. Na ile makao yake. Il n'était pas dans une grande ville. Asikule mumuji kubwa. Où quelqu'un peut dire que vous savez quand j'étais. Wana muto yo munajua mili kuyaka. J'étais à New York. J'étais à New York. Jean-Baptiste. Yo anombatisa. Sa ville. Ile, c'était le désert. Ilikuwa ni kule kujangwa. Moi, je crois que si son église venait aujourd'hui, les gens ne vont pas dire que non, je vais aller dans cette église-là. Les gens ne peuvent pas dire que je vais aller là-bas. Mais regardez, là où Dieu est allé cacher quelque chose de plus fort et de plus puissant. Il a annoncé la parole. Mais Jésus dit, pose la question aux gens. Êtes-vous allé voir un prophète? Et Jésus répond, yes, on a dit, il dit oui, Dio. Mais plus qu'un prophète, alakini kushindia wanabi. C'est lui que vous êtes allé voir, ule mrenda kumona. Et plus qu'un prophète, anashindia wanabi. Écoutez, sikilizeni. Jésus déclare yes, sur Jean-Baptiste, il Chue, dit, de tous ceux qui sont nés des hommes, kwa wote walorizaliwa na mwanamke. Il n'y a jamais eu de plus grand que Jean-Baptiste. Ah bon? Même les Moïse, Moussa, les Noé, Noah, allons citer les Daniel, les Josué. Wa Daniel, wa Yoshua. On connaît les Daniel qui ont fait des exploits, frères. Les gens, Daniel a passé la nuit dans la fosse au lion. Daniel il sort vivant. Usiku mzima mushimu ya simba na natoka mumujima. Donc, il n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qu'il y avait alors dans Jean-Baptiste? Ce que le Seigneur a loué et ce qu'il nous a présenté comme étant plus grand. Il n'y avait que le message. Quel message? Le message de la repentance. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a annoncé le message de la conversion, le message du salut. C'est ce que je vous ai toujours déclaré. Que servira-t-il à un homme d'être que de devenir? D'être. Que servira-t-il à un homme d'avoir? Dieu veut que tous les hommes de la terre se convertisse au Seigneur Jésus. La conversion. Lorsque l'homme s'est converti, il est plus qu'un miracle lui-même d'abord. Il est plus qu'un miracle. Voyez-vous? Les hommes peuvent chercher les guérisons, les miracles. Les hommes courent, ils sont troublés. Mais ils oublient que pour le Seigneur, ce qu'il attend d'eux, c'est premièrement ce beau et plus grand miracle qu'ils soient touchés et qu'ils se répandent. Qu'ils se répandent et que la puissance de Dieu se manifeste en eux et qu'ils soient transformés. Court. Voyez le message de la première venue du Seigneur, la repentance. Il finit sa mission sur terre. Évidemment, il a fait des miracles, des guérisons et tout. Les hommes l'ont suivi en foule, ils ont reçu, etc. Mais écoutez, le Seigneur Jésus s'arrête après son enlèvement au ciel, son ascension au ciel. Mes frères et mes sœurs, il est au ciel, sur le trône. Il n'a plus envoyé un autre précurseur
pour annoncer son retour. C'est lui-même maintenant qui annonce son message de son retour. Et quel message il annonce? Écoutez, lisez dans, je ne vous demande pas de lire. Je lis en passant. Le Seigneur s'arrête. Il appelle son serviteur Jean, excusez-moi. Et il lui a montré l'état de l'église. Ce n'est pas l'église, le bâtiment. Que quelqu'un dise que non, cette église, parce qu'elle est en bas, Dieu n'est pas là. Dieu est là. Même l'église qui est au village, Dieu est là. Il suffit qu'il y ait la vérité. Dieu est là. Et même si l'église est pimpante, s'il n'y a pas la vérité, Dieu n'est pas là. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Regardez-moi, mes bien-aimés. Jésus annonce le message. Là, nous sommes dans les livres dont je vous parle toujours. Les livres du temps présent, l'Apocalypse. Notre temps, c'est le temps apocalyptique. Le temps où nous devons connaître et vivre dans la révélation. Voyez comment il commence. Il s'est présenté. Hein? Le docteur Luc a parlé comment il fut enlevé. Les apôtres ont commencé à implanter l'église. Après quoi, frère, le Seigneur lui-même montre l'état de l'église. Et nous allons dans Apocalypse chapitre 2. Il a commencé à révéler l'état de l'église. Dites à l'ange de l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, je connais tout. Je connais ce que tu es. Tu ne supportes pas les méchants, tu ne fais pas ça. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Répands-toi donc afin que je ne vienne pas enlever le chandelier de sa place. Bien aimé, je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose. Et je ne sais pas ce que l'homme peut rechercher encore en ces temps-ci sur la terre. Quand le Seigneur a reproché ça, tu vas me dire aujourd'hui que non, c'était l'église d'Éphèse. Les théologiens vont entrer dans les détails. Éphèse est située telle part. À Éphèse, voilà les gens dont les gens d'Éphèse menaient, etc., etc. La parole de Dieu n'est pas comme ça. Elle a été écrite pour nous tous, pour tout celui qui vit. Cette reproche-là, c'est la reproche de ce celui qui est membre de l'église, un enfant de Dieu. Tu es venu à Christ. Très bien. Il t'a appelé. Mais tu as cru en lui. Très bien. Mais regarde. Est-ce que tu as encore ton premier amour ou tu as déjà abandonné cet amour-là? Si quelqu'un abandonne le premier amour, qu'il sache une chose, qu'il est en train de perdre la direction, ou il a déjà perdu la direction, et le Seigneur l'interpelle. Il commence à l'appeler. Il lui dit: regarde, un bon enfant de Dieu, un bon serviteur, mais je vois en toi que tu as déjà abandonné quelque chose, et c'est le premier amour. Est-ce que pendant que je parle, nous sommes le même? Tu as aimé le Seigneur lorsque tu es venu à lui. Est-ce que tu l'aimes encore de la même manière? Les choses que tu ne faisais pas, tu ne les fais pas encore? Ou tu commences à le faire? Regarde seulement ton premier état et l'état actuel par rapport à ton appel, par rapport à ta vocation. Le Seigneur a annoncé la repentance lui-même. Là, il parle du temps actuel. Notre préparation par rapport à son retour. Ton premier amour. Alléluia. Amen.
hors l'homme, kwa kuwa mutu, comme l'apôtre Paul l'a prophétisé, vile mtume Paulo alitabiri, il a dit les hommes, anasema watu, plutôt il dit, anasema, l'amour de ce monde est dans l'argent. Mapendo yai donye kuni ndani ya fedha. Et c'est la racine des maux. Na inakuwa shina ya mabaya yote. C'est lui qui cherche l'argent ne se fatiguera jamais. Ule anatafutaka fedha asiwezi na choka. C'est lui. Ule. Il a besoin de l'argent, il met son cœur. Anahitaji fedha ataweka moyo yake yote. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'était pas tout. Hein? Aikuwa yote. Le Seigneur. Bwana. Reproche l'église de Pergame. Anakemea kanisa Pergamu. Il parle anasema d'une chose tu as kitu kimoja de pire qu'il y avait dans cette église là ya mubaya ilikuwa ndani ya kanisa. Il dit ah bon, anasema ah ndio, c'est ça ta doctrine, njo dini yako. Voyez, mnaona, il y a des gens attachés, kuna watu ni kombatana à la doctrine kudini de Balaam, ya Balaamu, de Nicolaïte, ya wale wa Nicolai. Oh, je vous l'avais dit. Cette doctrine, c'est la doctrine dans laquelle on voit les gens vivre librement. Les gens s'adaptent à leur monde. Le monde d'autrefois n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Notre monde, un petit exemple, c'est un monde où l'homme a son appareil à la main et il suit tout ce qui se passe dans le monde. Il va aimer les choses qui sont dans son téléphone plus que Dieu. C'est aussi une doctrine. Les Nicolaïtes, les autres vivent comme ils veulent au lieu de vivre comme le Seigneur. Et même certaines églises, ils ont changé la doctrine du Seigneur. La doctrine. Mes frères, tu veux entrer dans une église ou tu es dans une église, la première chose que tu dois bien observer et étudier, regarde si la doctrine est correcte. La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements que l'on dispense, à laquelle tu dis amen, à laquelle tu obéis et tu pratiques. La doctrine a existé depuis les temps anciens. Aujourd'hui, plusieurs discussions, contradictions. On contredit même celui qui a écrit, surtout l'apôtre Paul. Vous pouvez les gens faire des études sur ce qu'il a déclaré aussi simplement. La doctrine. Il y en a plusieurs. On va vous dire, bois l'eau 6 fois par jour, mara sita kwa siku, tu seras guéri. Tu vas boire. Utatunzwa. Donne-moi l'argent unipe feza, pour que tu sois guéri. Tu vas donner. Usudi upate kuponya. Utaleta. Mais il dit aussi, alakini unasema tena, et répands-toi à l'église de Pergame. Kwa ile kanisa ya Pergame. Il vient à l'église de Thyatira. Anao kanisa ya Thyatira. Il dit très bien. Mais ce que j'ai contre toi, tu as laissé cette femme Jézabel enseigner kufundisha et séduire mes serviteurs. Là, je vous ai dit la fois passée, chacun va prêcher l'évangile comme il veut. L'évangile est l'évangile de Christ. Je vous ai dit ce qu'on m'a montré dans le téléphone, une femme qui prêchait, physiquement, voyez comme si elle est remplie d'onction. Alléluia! Son pantalon qui était, qu'il avait mis en dessous d'une jupette, jusqu'ici, tombe. On a vu les cuisses de cette femme-là sur la chair. Elle proclame l'évangile. Et ce sont un homme-là qui va aller le faire porter. Et une femme. L'église de Dieu, c'est un lieu de la plaisanterie. Les lieux saints, c'est un lieu où on doit jouer avec. Mes frères, les femmes, vous voulez prêcher. Wanawake, munapenda kuhubiri. Oh,
Il n'y a pas de problème. Mais moi, selon la doctrine que j'ai reçue, depuis que je suis dans le Seigneur, je veille sur cette parole. Je vous conseillerais de vous calmer. Je vous dis la vérité. Et pas moi, mais l'apôtre Paul, celui qui a prêché cette parole. Je vous autoriserai d'aller évangéliser. La Samaritaine a évangélisé. Elle a amené les âmes. Je vous autoriserai d'aller prêcher dans vos assemblées de femmes. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Il y aura toujours des contradicteurs. Même Jésus lui-même, on l'a contredit. Paul, on l'a contredit. Contredit. C'est ça ta doctrine. Mais il a dit la doctrine déjà. On a laissé la femme Jézabel enseigner. Jézabel enseigné par la séduction. La séduction, c'était ça sa spécialité. Quand les hommes, et surtout, comme il s'agit de Jézabel, frère, regardez, elle s'est maquillée. Elle mettait des phares. Je voulais toujours dire à vous, les mamans et les filles. Je suis toujours choqué pour voir que l'homme veut même corriger Dieu. Dieu te crée, il te donne un nez comme ça, tu veux qu'il soit comme ça. Tu es normal. Il te donne les sourcils comme ça, tu veux que ça soit comme ça. On ne doit jamais ajouter à l'œuvre du Créateur. Je le répète, mais beaucoup sont dans cette doctrine. Elle faisait ça pour séduire. Et vous le faites pour séduire. J'étais en train de dire, au fil des jours ici, je vais commencer à refuser les mariages de Jézabel. Une fille qui vient avec des longues doigts, longues ongles, maquillée là, je ne sais pas comment, mais j'ai commencé à souffrir déjà. J'ai béni malgré moi, mais je voulais promet. Au fil des jours, je ne vais pas bénir. Ça, c'est l'homme de Dieu. Je vous avais promis que je commence à prendre les bâtons. Je commence à les prendre. Si je te dis, viens pour ton mariage bien habillé comme un enfant de Dieu, mais si tu viens comme tu ne viens pas, je vais chercher quelqu'un qui va te bénir. Jézabel enseigne. Comment est-ce que tu t'habilles? Même comment est-ce que tu marches? Il y a la pensée de séduire. Tu n'as qu'un seul homme à séduire, c'est ton mari. Tu ne dois pas séduire tous les gens lorsque tu passes. Tout ce que vous ajoutez sur vous, c'est écrit dans la Bible. Le Seigneur a dit, répands-toi. Arrête. Répands-toi. Il va parler à l'église de Laodicée. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, ah bon? Tu crois que tu es riche? Ah, très bien. Mais moi, je n'étais pas pauvre, aveugle et nu. Qu'est-ce qu'il reproche? La tiédeur. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Là, beaucoup de chrétiens sont là-dedans. Un chrétien qui n'a pas du zèle pour son Seigneur manquer du zèle, c'est ça être ni froid ni bouillant. Ça signifie que les choses de Dieu, hein, on les fait tout simplement parce que bon, je dois quand même, hein, aujourd'hui, Léo, tu es chaud. Ukomoto. Demain, Kesho, tu es froid. Quelle attitude Aligani. Pour Dieu, le Créateur. Tu es Mungu Mumbaji. Hein? Nous devons connaître qui nous a appelés. Hein? Qui nous a appelés. Hein? Voyez, quand j'ai chanté les cantiques là, Dieu n'a voulu ni l'or, ni l'argent, pour nous racheter du péché.
il n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait nous sauver. Il s'est trouvé lui-même. Il a pris une partie de lui-même. Il vient sur la terre. Quel amour le permet de témoigner. Il vient donner sa vie en rançon pour nous. Nous avons été rachetés à un grand prix. Vous ici, lorsque vous avez quelque chose de pris, tu vas la garder soigneusement ou tu vas la jeter, hein? Même dans nos habits, tu as les habits de grand prix, mais tu vas porter ces habits et dans des circonstances où tu vas te présenter devant les gens et que les gens disent que oui, il était aussi bien habillé ou c'est pas moi. Or, il n'y a pas de grand prix en dehors de notre salut que le Seigneur nous a donné. Et il nous a donné ce prix, bien aimé, par sa propre vie. Et alors, il faut être léger, tantôt chaud, tantôt froid. Il dit quoi? Et du zèle, et répands-toi. Et répands-toi. Sinon, Bilayo. Qu'est-ce qu'il dit? L'enlèvement n'est pas loin. Alléluia. Amen. N'est pas loin. Ainambari. Et ce que j'ai appelé le pré-enlèvement. Personne ne connaît les jours de la mort. Frère, entre nous. Parmi nous qui sommes ici, croyez-vous que dans 50 ans, 70 ans, 80, est-ce que nous serons là tous? Peut-être je peux même rapprocher ça. Même dans 40 ans, on ne sera pas tous ici. Parce que les gens vont dire que non, toi, parce que tu as déjà beaucoup d'années. Allez là-bas, à Kasangiri. Vous allez voir que ce sont surtout les jeunes qui sont, n'est-ce pas? Voyez? Moi, je vous dis toujours, quand je vais là-bas, j'ai l'habitude de lire sur les croix. Né 1900. Il y a toujours les 70, 80. 70, 80. Même 90. 90. 2000. 2000. Avec ce monde du péché. Frère. Donc, le pré-enlèvement est là. Vous ne voyez pas dans d'autres pays. Quelqu'un se réveille. Vous voyez aujourd'hui en Ukraine. Il est là dans sa maison. Dans les 10 minutes qui suivent, la bombe est tombée. Un d'eux entre dans la maison. Ce sont des hommes comme nous. Hein? Et nous tous, nous ne savons pas. Personne ne sait quand il partira. Est-ce que c'est le temps d'être tiède? Pendant que je sais que je peux rater la vie sur cette terre. Cela ne me porte peu. Mais d'ailleurs, même si quelqu'un vivait longtemps, d'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui vivra comme Abraham, comme Enoch, ils ne sont pas là. Dieu nous a limités. 70, 80, 70 ans. Voyez, même quand tu vivrais plus de 100, d'abord est-ce que vous savez que c'est très peu? On partira. Mais là où nous allons, les hommes n'ont jamais eu cette peur-là ou la grâce de savoir que je dois beaucoup plus arranger là où je m'en vais, là où j'irai. Comment passerai-je mon éternité? Le Seigneur l'a dit, répentez-vous. Donc vous voyez dans les livres d'Apocalypse, Christ a parlé, il a annoncé lui-même le message préparatoire de l'enlèvement de l'Église. Il dit aussi la repentance. Et il conclut ça dans Apocalypse 22. Heureux ceux qui lavent leur robe. Laver la robe, c'est quoi? N'est-ce pas se repentir? Ne pas accepter que le faute, il est ma cause, le péché, il est zambi, reste accroché à ta vie. Heureux ceux qui lavent leur robe.
car ils auront part à l'arbre de vie qu'Adam et Ève ont manqué dans le jardin d'Éden. C'est l'état, c'est l'heure où tout celui qui vit doit savoir que nous sommes dans une position où je n'ai pas droit à l'erreur. J'ai souligné, j'ai dit, répentons-nous, mais j'ai ajouté sincèrement. Sincèrement. Beaucoup se répandent. Est-ce qu'ils se répandent sincèrement ou ils sont superficiels par rapport à ces grands mots, à cette parole plus puissante que toute autre démonstration? On se repent sincèrement ou voilà, on fait semblant? Lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Luc toujours, chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, s'étonnant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, alléluia, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. Qui suis un pécheur ?» 14. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Aujourd'hui, Léo, c'est l'évangile, vous avez compris. Hein? Mais ce n'est pas l'évangile où vous allez vous lever et donner l'argent. Vous allez donner l'argent. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, quelqu'un va recevoir un miracle. Je vous dis, c'est plus que les miracles. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, frère. Le Seigneur nous enseigne la repentance sincère. Deux hommes. Un pharisien et un publicain. Et tous faisaient partie du membre de la synagogue ou du temple. Des chrétiens dans la même église, ici où nous sommes. Deux catégories. À l'église telle qu'on est là, il y a deux catégories. Il y a les pharisiens et il y a les publicains. La différence est dans la manière dont chacun de nous comprend bien la parole et comment il agit. Deux hommes. Ils sont allés prier. N'est-ce pas, nous sommes venus prier? Nous venons et nous viendrons encore prier. Qu'est-ce qu'ils ont allé demander à Dieu? Voilà. Les pharisiens commencent sa prière. Ils s'élèvent, oh Dieu, hey, Mungu, je te rends grâce, car je ne suis pas comme les restes des hommes. Ils sont adultères, injustes, ils sont ivrognes, ils sont menteurs. Oh Dieu, hey, Mungu, moi, mie, je jeûne deux fois la semaine. Moi, ma dîme, je la donne deux fois chaque semaine. Et je ne suis pas comme ces publicains. Voilà sa prière. Les publicains, de son côté, la Bible dit ceci. Ils n'osaient même pas. D'abord, les pharisiens, quand ils priaient là, la Bible dit qu'il était debout. Debout. Oh Dieu. Hey, Mungu. Voilà. Ah, ça, ça. Mais les publicains, lui n'était pas debout. Yes, la Bible dit que c'était à distance. Bible n'osait même pas lever ses yeux. Quelqu'un va me dire qu'il pouvait être debout.
sans lever les yeux au ciel. Bila kunyanyua macho mbinguni. Quelqu'un a déjà vu le ciel? Mtu ashakunaka mbingu. Savez-vous que quand je me tiens comme ça? Unajua kama mimi nasimama hivi. Sors dehors, tu vas voir que le ciel est même là, tu vas voir le ciel. Atona simama hivi, tona mbingu kule. Allez même en brousse, tu vas voir que le ciel. Quand tu es comme ça, tu vois le ciel. Pour ne pas voir le ciel, il faut s'incliner. C'est la vérité. Voyez? Parce que bon, aujourd'hui, il y a des gens qui font parfois de leur manière leur repentance. Hein. Comme je vous ai toujours parlé de l'adoration. Voyez, le diacre Pierre l'a dit à l'adoration. Dans Psaume 95, il dit, venez et prosternons-nous devant l'Éternel, notre Créateur. Mais le monde d'aujourd'hui adore. La main dans la poche, il va dire non. N'importe quelle position s'y adore. La repentance. Ici, Christ a enseigné. Les publicains. Lui. Il ne se regardait pas. Il ne regardait pas ses qualités. Il ne regardait pas son niveau. Mes frères. Tu es apôtre. Tu es apôtre. Tu es pasteur. Je vais suivre l'ordre. Tu es prophète. Tu es évangéliste. Tu es pasteur. Tu es docteur. Écoute. Par rapport à notre appel, toutes ces choses-là ne comptent pas. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est sa parole. La même parole. Quand même Dieu te donne une charge, il regarde d'abord à la manière dont tu marches par rapport à sa parole. Quel que soit ce que je suis. Ok, je sache, je suis pharisien. Ou je suis publicain. Mais moi, je choisirai d'être comme ce publicain. Au sol, il n'osait même pas regarder le ciel. Il s'est frappé la poitrine. Un message qui voulait dire qu'il regrettait, il souffrait de son état. Sois apaisé, Seigneur. C'est moi qui suis un homme pécheur. Pour les pharisiens, ils voient les péchés des gens et les péchés du publicain. Écoutez-moi, mon frère et ma soeur, la sincère repentance consiste premièrement à ne pas regarder aux fautes des autres, mais à regarder et à chercher tes propres fautes. L'homme de ce monde, quand a les yeux, n'a les yeux que sur les fautes des autres. Dès qu'il entend, il pense à pour lui. Tu as entendu? Voyez, il a fait. Il est pharisien. C'est lui dont tu dis, tu as entendu, tu vois, si il est publicain et que Dieu l'a agréé à l'église telle qu'on est là, c'est moi votre père spirituel, c'est moi qui connais les secrets de tout le monde. Vous pouvez critiquer quelqu'un, mais pendant que tu le critiques, tu es en train de pécher, mais celui que tu critiques a réparé avec Dieu et il marche bien avec Dieu. À ce moment-là, qui est pécheur? Est-ce que c'est toi ou c'est lui? Regardez à la manière des hommes. L'homme doit se limiter et savoir que j'ai des limites. C'est pourquoi Christ a dit, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil du voisin. Vois la poutre qui est dans ton œil. Jésus a enseigné, ce que tu vois chez l'autre, il dit que c'est petit. Ce qui est en toi, la poutre, c'est ce qui est plus grand. Mais la manière des humains, lui, il va crier, il va chanter, juste sur ce qu'il a vu dans l'autre. Et en toi.
Je suis en train de donner du caractère à quelqu'un. Parce que le péché qui amèneront les hommes en enfer, les gens pensent seulement que non, parce qu'il a adultère. Non, parce qu'il est ceci. Oh, d'ailleurs, il est ceci. Il est comme ça. Mais moi, je vous l'ai dit, le péché de la bouche ici amènera beaucoup en enfer. Parce que Christ lui-même a dit, les hommes auront à rendre compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proféré. Et l'homme parle tous les jours. Et l'homme parle à tout moment. Sans se rendre compte, et pendant que tu parles, je vois en toi, tu as déjà un mal. Le mal est que tu parles du mal de l'autre. Il ne faut pas parler du mal de l'autre. Et Dieu dit quelque part, qui es-tu pour que tu sois juge du serviteur d'autrui? Tu seras jugé du même jugement. Tu seras mesuré de la même mesure dont tu mesures les autres. La repentance sincère consiste à faire comme a fait le publicain. Vous voyez, il frappait sa poitrine. Donc, il se plaignait de ses propres péchés, qu'est-ce que de se plaindre des péchés des autres, que de regarder les autres, mais lui, il entrait en lui-même. C'est celui qui se regarde. Il saura comment ranger. Je disais à l'époque ceci, l'homme a deux fardeaux. Il a une branche ou une tige et il a deux sacs. Le sac de devant et celui de derrière. Ses fautes, il met dans le sac derrière. Les fautes des autres, il met dans le sac de devant. Et c'est ce qu'il voit. Tes fardeaux, tes fautes. Prends ton sac, mets devant. Prends le sac des autres, mets derrière. C'est ça la véritable vie qu'un enfant de Dieu doit mener. Vous entendrez toujours les lèvres de l'homme. Ça, ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. La repentance sincère, c'est se regarder soi-même et ne pas se regarder comme étant juste. Qui va dire qu'il est juste? Qui va dire qu'il est juste? Frère, un seul est juste, dit la parole de Dieu. Pendant que quelqu'un se croit juste, Dieu le regarde, alors il est pire. Qui sait qu'il est orgueilleux? Qui sait qu'il est? Il a la haine dans le cœur. Qui sait? Tous les hommes cherchent toujours à faire leur bonté, ce qui est bon. Il n'y a pas ceux-là qui cherchent. C'est rechercher eux-mêmes. Si quelqu'un se recherche lui-même, il fera la repentance sincère. Lisons un peu dans Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Mes bien-aimés, je vous enseigne la voie du Seigneur, je l'enseigne exactement. Dans nos couples, ne voyons pas que les fautes des autres. Tu ne vois que les fautes de ta femme. Tu ne vois que les fautes de ton mari. Toi aussi, ta faute, tes fautes. Dans nos relations avec les autres, dans nos relations au travail, partout où nous sommes, bien-aimé, si tu regardes à la manière des hommes, ça te regarde. Si je dis, repentons-nous, car Jésus est à la porte.
porte. Pour moi, j'appelle ça le message le plus puissant. Car c'est le message qui pourra t'aider pour que ce jour-là, tu es en train de monter sur la nuée, en chantant gloire à Dieu. Écoutez, la repentance ici, si elle n'est pas bien faite, il y a des conséquences. Comme je l'ai dit, il y a le stade le plus dangereux. C'est cette maladie. J'ai toujours entendu les gens de l'hôpital dire ça. Non, il est à un stade, en tout cas, désespéré. Écoutez, tout chrétien doit savoir que le stade le plus dangereux de sa vie est au niveau de la repentance. Voyez, tu t'es réellement, sincèrement repenti. Écoute la parole du Seigneur. Dieu a dit, il y a aussi des choses impossibles. C'est bien beau de dire toujours, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mais il y a aussi des choses impossibles à Dieu. C'est lui qui le dit dans sa parole. S'il y a des choses impossibles, il dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Pourquoi j'annonce cet évangile? N'est-ce pas pour éclairer celui qui est encore peut-être dans les ténèbres, ou celui qui comprend difficilement ou qui néglige la parole du Seigneur? Voyez, qu'est-ce qui peut nous éclairer? Ta parole est une lampe à mes pieds. La lampe est là pour éclairer. Tu es éclairé par rapport à la repentance. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don de Dieu, le don de Dieu, Jésus-Christ, en qui nous avons cru, nous nous sommes fait baptiser en lui, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et au Saint-Esprit, plutôt même au don du Saint-Esprit. J'entends beaucoup de gens parler en langue. Un autre va proclamer, ah, le Seigneur est formidable. En tout cas, ça, c'est le Seigneur. Il m'a guéri. Quelqu'un va dire, ah non, ça, c'est un miracle. J'ai vu un miracle. J'ai vécu un miracle. Et chacun de nous a déjà goûté. Et d'ailleurs, nous goûtons au Saint-Esprit à ses dons. Frère, parfois, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Les dons du Saint-Esprit sont manifestes. Parce qu'ils sont nombreux. Les dons de sagesse t'a déjà peut-être sauvé. C'est les dons. La parole de connaissance, etc. Tous les dons. La Bible dit ceci. Si une fois, Dieu voit qu'il a déversé de tout son mieux. Il t'a enseigné. Il t'a exhorté. Il t'a attiré. Il t'a lié avec les chaînes de la parole. Mais il voit que tu rends toujours les chaînes. Tu rentres toujours dans la même vie. Tu vas toujours faire les mêmes histoires. Écoutez, la Bible dit ceci. Il y a des choses impossibles. La chose impossible est que tu sois ramené à la repentance. Laissez-moi vous dire, cette parole en moi-même, elle me donne la crainte de Dieu. On doit parfois se détromper. Tu vas prendre seulement un verset. Le Seigneur ne s'arrête pas ou plutôt ne se lasse point de pardonner. Frère, la même parole, elle nous enseigne aussi qu'il y a des choses impossibles. C'est de te ramener à la repentance. C'est lui que Dieu avait déjà élevé. Il t'avait même lavé. Tu es propre. Vous trouverez quelqu'un dit, d'ailleurs j'ai prêché. D'ailleurs j'ai chanté. Frère. Et la Bible dit, après avoir connu qui
la vérité. Kufahamu kweli. Tu t'es repenti. Tu vas encore tomber. Peuple de Dieu. Taifa ya Mungu. Veillez sur ce que je vous dis. Mukeshe, tu évitez de tomber. Mwepuke kuanguka. La Bible dit. Biblia nasema. Il y a une chose impossible. Kuna kitu kila kiwezekani. C'est celle de te ramener à la repentance. Na kukurudisha kukitubio. Parce que tu crucifies pour ta part le Seigneur Jésus. Tu unamsulubisha kwa sehemu yako Bwana Yesu. Tu vas ramener encore Christ à la croix. Est-ce que tu connais la douleur que Dieu avait en lui-même lorsque Christ souffrait à la croix? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a souffert lorsque son enfant était malade, son enfant peut-être était sur le point de mourir? Tu connais la souffrance que tu as eue. Hein? C'est le seul moment dont la Bible nous enseigne que Dieu n'a même pas exaucé, écouté Jésus. Jésus a prié et le ciel était calme. Pourquoi? Parce que Dieu était triste, il voyait la souffrance endurer son fils. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a quelqu'un qui va aller encore les crucifier, les ramener à la croix. Qu'est-ce que Dieu sentira au-dedans de lui-même? Dieu pourra dire que c'est cet homme ici que j'ai choisi, que j'ai appelé, que j'ai lavé, en qui j'ai déposé peut-être tout un bagage de ma parole. Il dit non. Tu crucifies encore Christ et tu l'exposes à l'ignominie. Frère, savez-vous qu'un enfant de Dieu, serviteur, ne peut pas aller commettre un dégât quand tu fais la honte de celui en qui tu as cru? Au lieu de l'honorer, mais on va faire sa honte. Répandons-nous sincèrement. Car Christ revient. En un clin d'œil, le monde ici peut bouger. Le monde peut bouger. En un clin d'œil, il y aura un événement que le monde ne saura pas maîtriser. Car l'enlèvement de Christ, ça sera un événement de tous les événements. Tu veux te repentir? Commence par pardonner. Tous ceux qui t'ont peut-être déçu, qui t'ont trahi, et non pas dans les cœurs. Il y a des gens que tu aimes et les autres tu ne les aimes pas. Et d'ailleurs, tu n'es pas un enfant de Dieu. Soyez bénis. Merci, oui. Repentance is now.